l'armée américaine débarqué dans le pays d'Haïti. Jean ça t'est annoncé. En pile question à poser, est-ce que ti messieurs bandi vivant ensemble yo pral mourir tout ensemble? Est-ce que PM Ariel Henry tout entré avec américain yo? Rete là, nous pral bon plus détails avec précision puisque nous connais c'est américain qui a planifié qui Jean comment Ariel t'a supposé entrer retourner la Kaili dans pays d'Haïti. Après déclaration Guy Philippe là sous question amnistie la bay bandi yo s'il ta président Guy Philippe bay plus détails sous question ça et puis li tout aider peuple à comprendre qui ça qui amnistie a mais qui raison li dit comme ça la bay bandi yo amnistie Raïs Jesus Chita nous pral bon qui Jean Bagalaye et nous pral edo comprendre pour qui ça américain débarqué sur territoire. Dans l'émission précédente, nous avons dit que département d'État américain li mandé là pour américains yo débarqué dans le pays d'Haïti. Vraiment vrai, j'ai fait des modes là quelques jours après matin là qui c'est environ les 3h du matin, plusieurs vous fait me connaître autant des hélicoptères. Et yo même dit depuis après yo fin tande hélicoptère sa yo pas ka dormi à cause hélicoptère sa yo fait trop bruit comme ou bien c'est hélicoptère des hélices qui entré principale mission soldat Meren sa yo qui débarqué dans pays d'Haïti yo vini là pour ka prendre ressortissant américain yo pour aller avec eux dans le pays États-Unis. Yo vini là tout pour prendre employé ambassade là pour aller avec yo dans le pays États-Unis. Mais les cas pour soldats yo tout été pour sécuriser ambassade là, sécuriser périmètre ambassade là. Ça veut dire là même si ouais bandi vivant sans yo craser brisé depuis on pas attaquer ambassade américaine pas go pété cap pété. Pas gagné qu'a fait. Si vite l'homme pas attaqué ambassade américaine, soldat Meren sa yo qui entre dans le pays d'Haïti matin là, pas gen an rien qu'a fait comme réponse. Ça veut dire là, si monsieur vivant sans yo, il va besoin pas en rien. T'as de cause? Bon, ça fait nek sa yo pas tout bas nos coups, mais yon équipe a géré ambassade là, yon équipe li là pour frapper avec monsieur sa yo qui kembe pays en otage. T'as de bien zami auditeur auditrice. L'armée américaine débarque là pour moun qui met espoir sur l'armée américaine détromper nous. Yo là pour moun qui gen même nationalité avec yo. Yo là pour protéger bâtiment yo. M'pa konn si a ba koute men tout pour ka protéger aéroport international tous ces ouvertures. M'pa konn. M'pa konn si a là pour ka ba un petit coup de main. Mais yo là pour protéger bâtiment américain yo. Yo pa là pour venir rétablir sécurité. Yo pas là pour faire pénétration ou bien mission en œuvre de Dieu. Yo pas là pour camper goumen avec vivre ensemble. Si vivre ensemble, pas attaquer bâtiment américain yo. Et pour ça on vini. Kounyo ka dim, étant donné ces américains qui a planifié rentrer Ariel Henry dans pays d'Haïti, puisque américain te mandé Luis Abinadel pour te bail accès pour Ariel ka descendre la Kaili. Les îles pas capables, les mêmes faire qu'on est, c'est persona non grata. Hein? Persona non grata, ça veut dire là, Ariel pas bienvenu en République Dominicaine. Vous entendez? Yo bon, persona non grata. Et bah, jouette, non? Et bah, jouette. Kounya la tout. Moi, m'a dit, pour que ça américain, yo, t'ap gen hélicoptère qui entre dans le pays d'Haïti. Pour qui ça? Je vais tout PM Ariel Henry, yon ou libre, la gueule Haïti. Si nous avons planifié entrer Ariel Henry dans le pays d'Haïti, mais Ariel qui a gen environ 15 jours de yon pays, à cause de la carte, il va jouer côté pour le descendre. Mes amis, dans l'hélicoptère qui a porté soldat, réservons place pour Ariel Henry. Ariel te ka tout Ariel ou libre.
pour déposer Ariel dans l'aéroport là. Mais nous entrer, nous quitter Ariel toujours côté lié. Et bien nous va planifier entrer pour Ariel vrai. Si nous même nous entrer sans problème. Pourquoi ça nous va tout ba Ariel en libre la gueule dans l'aéroport là. La chercher chemin la cali pour contre lui. Mais non. Yo quitter Ariel Henry parce que Ariel pour mettre démission. Femme ou bien Ariel gen 15 jours de au pays là. Li pa ka rentre. Et parce que pa gen moun nan pays d'Haïti ki renn ke yo pa remplacer premier ministre Ariel Henry. Et nous t'étais de Guy Philippe qui t'ai parlé. Guy Philippe dit comme ça lui-même, li vle président. Oui, si le président et si toutefois tout li t'arrive président là et yo te pose une question qui rapport gen avec bandiyo, li dit pa gen aucun rapport avec bandi, pa gen aucun lien avec bandiyo. Ça c'est bandiyo remet discours. Au contraire, il va parler mal de bandiyo, mais il a supposé ba yo amnistie. Le fin président. Qui ça qui amnistie? Amnistie c'est sous bandi ou coopérer avec la justice ou ba toute vérité, après ça, il y a lavo ou a bloc tant kou neige ou pas bandi encore. Guy Philippe parler parce que lui remarque gen pire moun ki pa konsa ele amnistie. On va faire entendre Guy Philippe après ça, m'a tourner pour présenter avec précision. Et Guy Philippe pral di peuple là fanatique liyo mais ki sa ki amnistie a, mais pour qui raison li fait konnen la bay bandi amnistie? Parce que bandi yo ki zam nan men yo la, zam sa yo Haiti la fait zam, Haiti pa fait bal. Li ta men konnen ki est nèg sa yo ka bay bandi yo zam nan, ki est nèg sa yo ka financer bandi yo bal. C'est raison ça li di li vle konn vérité a. Et qui a un pile nèg qui fâché, qui estomaqué, peut-être li pa aide question amnistie a, c'est parce que yo impliqué dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Entendez Guy Philippe, après ça m'a tourné pour plus de détails avec précision. Je ne sais pas si c'est un bon. Du moins, c'est quoi? Bon, le conseil de nèg, secteur privé, classe politique, qui peut amnistie? Amnistie, ça, je ne sais pas si c'est un bon. Du moins, c'est quoi? Il y a peur. Il y a peur sacré l'amnistie. Il y a tout le monde qui connaît qui a étape dans la question amnistie. Premièrement, la commission vérité. Parce que faut que le peuple, faut que nous connaissions qui vient de arriver là, qui est-ce qui a armé le jeune garçon, ça, qui est-ce qui bat aux armes, qui est-ce qui vont battre l'autre, comment ils fonctionnent. Lorsqu'il y a une vérité, on finit comment bagarre là. Ou bien justice là. Il faut que justice soit faite. Il y a un pile victime. Un pile monde qui est obligé de quitter Gaïo. Un pile monde qui est tombé, qui mourit. La justice, c'est une fête. Il y a pardon. Moyennant que nous avons collaboré, continué à collaborer avec l'État pour apprendre, pour dire nous comment ça va fonctionner, comment utiliser. Pour ça, va jamais retourner fait encore. Je dis qu'on a tué tout le monde. Et puis demain, bagarre la vie de pire. Ça va servir la République. Donc c'est ça qui fait. Nèg yo paniqué, yo pa vle que peuple a konn vérité, yo pa vle que moun konnen ki est ki t'a armé jeune garçon sa ou jeune femme sa. Kounya tout ta souhaité ta remè pour force onusienne rentrer là, tuer tout, assassiner tout. Pour ça ou konnen nous même nous pa ram konnen. Pour vérité a pour peuple a pa ram konnen, pour Haïti pa ram konnen. Ça pa fait, faut que nous konn vérité a. Et faut que nous assurer que délinquant à cravate sa ou, nèg ki t'a armé jeune garçon ak jeune femme sa ou. Côté ti malè réaliser sa pa te caché gros am sa ou. Côté nèg te ka fè tout bagage, acheter munitions, bagage bien cher sa ou. Donc tout moun sa ou, yo paniqué, yo peur. Yo pa ta remè que gen commission vérité pour monsieur sa ou, jeune garçon, jeune femme sa ou vinn di vérité a, vinn di la nation vérité pour nous comprendre et problème nan. Donc tout effort ou konnya la, tout effort, tout ça ou le fait. C'est pour imposer une nèg de bien ou, et puis en bas, à demander pour l'ONU venir assassiner tout. Et puis après, là où besoin encore, les barres là, ils ont servi intérêt ou, puis ils ont réarmé l'autre jeune garçon, l'autre jeune femme, et puis le cycle a continué. Nous même nous devons mettre que nous aider le peuple, nous avons campé et nous avons pris toutes mesures pour aider le peuple ici, pour nous sortir dans tout ce qu'il y a là, quel que soit le sacrifice pour nous faire. Parce que l'État a gagné un peu de bagarre, il va le dépenser. Les gens qui sont victimes, les gens qui sont obligés de quitter les cailloux, les gens qui sont kidnappés, les gens qui ont créé cette business. Faut que l'État paye. Faut que l'État fasse un jeu pour dédommager les gens. Parce que c'est sous responsabilité de l'État que les gens sont victimes. Faut que les gens soient cartonnés la cailloux. C'est devoir l'État. Mais faut que nous avons une vérité. Et pour nous avoir une vérité, il passe par ça. Faut nous entendre, monsieur. Il faut que monsieur ait un intérêt pour parler. Faut que vous sentiez un intérêt pour aider nous comprendre la complexité du problème. Sinon, nous allons retomber encore dans le même problème.
C'est ça qu'on voulait faire. C'est ça oligarchie, c'est l'élite pourri ça. C'est ça qu'on voulait faire. C'est ça on sait que dans la classe politique là voulait faire. Yo pas voulu que nous connaissons la vérité. Mais cette fois-ci, nous avons la vérité. Et nous ne pouvons pas voler la bataille peuple là. Ça va passer, ça va faire. Nous sommes de Guy Philippe qui t'a parlé avec la nation. Il y a plus de détails, il y a plus d'explications sur ça et les amnisties. Parce que si toutefois la ben amnistie, il faut qu'il connaisse qui jamais dit faire puissant comme ça. Doni zo gen jeune jodi la qui est caché don ta ba izo qui n'est qu'à financer bandi yo qui fait tout bandi yo qui c'est des gros âmes il dit n'yo pe amnistie parce que yo complice yo complice la ça qu'a passé ya yo pèl dop une bourgeois la qui pe amnistie yo pin la raison faire pe amnistie parce que yo connaît bandi yo va parler vérité ya et vérité ça même lui même tout le temps me connaît qui ça caché. Et même nous ne connaissons jamais la vérité dans la question de l'âme, balle, qui est Jean, comment, qui est-ce qui a financé Bandi. C'est la raison pour laquelle, depuis après, il finit par parler d'amnistie, il pile nèg dans la radio, la télévision, qui a parlé, qui prend ça drôle, qui prend ça mal, à cause de parler d'amnistie par Bandi. Il est fâché. Il vit fait qu'on est lui-même, il campe des saldia. Amnistie, si tout fait le président, la amnistie parce que la vérité, le besoin qu'on est. Faut le peuple a une vérité, ça yo. Nèk sa ka propose, c'est bourgeois. Nèk sa ka propose, yo dans le secteur privé. Hein? Nèk tête, nèk cheve siwel. J'ai, nèk a dit, j'ai vet. Pour l'envers, nèk sa yo, yo pe, question amnistie. D'ailleurs, nous t'étendons des rapports qui sortent Canada, sanctions tout, nous connaissons les sanctions yo. Nous connaissons plus déjà qui sanctionné à cause de financer bandi. Mais nous connaissons dans le pays d'Haïti, la justice là, nous avons un petit groupe, malheureusement, nous ne pouvons pas bouger, nous ne pouvons pas faire suivi à travers sanctions Canada, mais dehors, malheureusement. Femmes ou bien, le pays d'Haïti, et la traversée, nous avons dit, il y a un désert, et la propre temps dans le désert. Est-ce que nous connaissons après Suriname, nous avons un passeport haïtien? Ou pas qu'à entrer Suriname, République Dominicaine la donne tout. Ou pas qu'on s'en dit là. De vous qui passeport haïtien dans mes mains, Max Ambray dit là. République Dominicaine, pas qu'il tout entre, parce que les frontières fermées. Pour ta entrer en République Dominicaine, ou si posé bail, plus passer 200 à 250 dollars américains, après, vous fin checker pour vous, qui c'est 20 dollars américains. Ma parlé son poste m'joine Tizo le spécimen qui c'est un journaliste crédible. Li fait konnen est-ce que te konnen même sou ta gen visa dominicain ou pas ka entrer en République Dominicaine parce que yo pas pran passeport haïtien si pou passer faut payer plus passer 200 à 250 dollars américains après 20 dollars checké dans immigration. Me songe l'aime ça serait tout ça c'est Tizo qui a parlé là dans poste là. Tizo le spécimen continue pour le dire. Il dit me songe l'en pile moun nan nous t'a demandé faut que respecter droit nous comme moun propre haïtien pareil nous te vle bonne bois calé. Eh bien men li papa. Il dit, résiez-nous, bouchez-nous pour nous brûler de l'eau sentie. Nous refusons de comprendre, nous, c'est un grand peuple. Nous avons force pour nous faire le monde respecter nous. Tout en nous pas accepter souffrir. Et souffrir, et yon fait carré, cracher nos visages nous pour rester. Et gratter boulet. Malheureusement, pas de personne responsable qui peut dire non. Il n'y a pas qu'à faire comme ça. Notez bien, ça c'est Tizo qui a parlé. Il est comme ça depuis plusieurs mois. Haïti, pas péri, il met drapeau Haïti et puis tout le monde qui fait mon poids et tout le monde qui prend, il met dans l'air. Et il dit, il n'y a pas de joindre moi. Ça c'est poste. Tizo
les spécimens fait matin là pour qu'a dire mais ça qu'a passé sous frontière République dominicaine. Il fait qu'on ait des passeports haïtiens dans mon frontière fermée, il y a pas bon passé. Pour passer, faut qu'on paye l'argent, grosse somme d'argent pour passer pour traverser pour entrer en République dominicaine. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour me raconter ton autre dossier par le channel ça, c'est pour addiction 69 qui baille 100% vérité. Like, abonnez, pèsez sur la justification, retirez sur personnalisation de sur tout, qui t'a commenté pour moi, malé, rendez-vous dans la prochaine émission. En période ça, comme monde qui était campé, après le départ Jean-Bertrand Aristide, comme monde qui était campé dans le ghetto yo pour parler tout avec des monde et dans le ghetto pour être capable de déposer des armes. C'est des situations que nous vivons déjà, et moi t'ai dit ou sous dit pouvoir, mais c'est lila, pouvoir disponible, mais on grain de bagaille. Mon a dit Guy Philippe après les bagailles gang. Mon a dit Moïse Jean-Charles après les bagailles gang, mais pas oublier, c'est pas manifestation que j'étais pouvoir. Pouvoir cartel là, c'est pas manifestation que j'étais. N'importe monde qui vient là, font un mot spécial. Font un mot spécial avec nèg qui gen zam nan men yo a, font un mot spécial, font un dison avec yo. Et ça la fait les pouvoirs monter. Vous gardez la parole, les pouvoirs monter. C'est you know, et pouvoir de monter rapidement parce que Radio Omega. Ensemble de ministres qui là et m'ba dit la plupart dans yo. Parce que 33 mois, il fait beau assez. Il fait beau suffisamment. En bon créole, toute fine riche. J'en dois dire la boucanté. Toute fine riche, toute construit une nouvelle maison, yo. Toute fine riche. Vous croyez que vous n'avez pas gagné pour vous perdre là. Maintenant, c'est classe politique là qui pour aller rapide pour que vous joignez une entente autour de 7 membres qui presque fin désigné, qui pourra constituer le conseil présidentiel là. Et après, éventuellement, nouveau PM n'a désigné pour que nous allions vers une transition. Je me dis, vers une transition plutôt ordonnée, plutôt structurée, qui gagne une ligne. Ça, vous connaissez que vous venez là pour 12 mois ou bien 18 mois. Vous connaissez, un, sécurité, deux, constitution. Ma PC est proposé. Trois, élections. Nous n'avons pas fait. Docteur Henry et sa bande, ils ont fait 33 mois là, ils ont tâtonné, ils ont fait une plus riche, rien de plus. Le vide total. Et Guerrier avait validé ce qu'on a rappelé ça là. Ils ont fait une dividale promesse que vous pourrez affronter monsieur dans la route à sa numéro 2 à vous mettre la paix pour ouvrir la route Grand Sud là. Nous serions tout mouvement fait dans le Grand Sud, crasé, brisé fait dans le Grand Sud. Nous même dans le micro, ça débat avec défunt Léger, Pierre Léger qui mourit. Qui était dans tête mouvement ça ou qui t'a demandé ouverture route Grand Sud là. Mais nous, ouais, c'est menti en menti. C'est un pouvoir. En fait, les pouvoirs politiques en Haïti, historiquement, ils ont menti, tout est menti. Mais le pouvoir Ariel Henry, ça, ils ont vraiment, les gens ont menti comme des arracheurs dedans, Jean-François Adazi. Tout, y'a. Puis gros, travail capitaine d'équipe qui va venir là, c'est sécurité pays. Sécurité pays. Et juste avant de vivre événement ça, place publique et plage publique. Je ne vois quantité de monde, jeunes femmes, jeunes garçons qui t'a souffri. Ouais, quantité de jeunes femmes, jeunes garçons qui t'ont vie pour bailler en main. Joue pays à sécurité, pays à l'ouvri. Et puis quand on est monde qui va venir là, son gros travail n'a venir faire là. Doter pays à de sécurité. Tout monde qui a sorti à l'aise. À l'enjoy you. Parce que quel pays pas fonctionner comme ça. Sinon, il n'y a pas de événement. Mais juste ça, tout, les pays ont une sécurité, ils ont tout droit ici pour aller venir performer en Haïti. Ils peuvent aller venir performer. Ils peuvent aller dans toute province. Mais ils ont songé, dans la souffrance, ils ne peuvent pas longer les petits doigts pour nous. Songez, pendant toute souffrance, ils ne peuvent pas lever les petits doigts pour nous. Pendant la souffrance, nous. Ils font parler avec Guito Edouard, la parole. On parle avec X Célestin. Probablement demain soir, on parle avec Jonas Kofi dans Boukanté et la parole. Mais on parle avec Guito Edouard de Dinepa. Guito Edouard, bonsoir. Comment nous y est? Boukanté la parole. On parle avec le directeur général Dinepa sous couloir humanitaire, même si il y a une situation crise, Juno Jean-Baptiste. Mais nous avons besoin de l'eau. Nous besoin de l'eau. Absolument. Nous avons besoin de l'eau. Il faut nous manger. Faut mon manger, faut créer conditions pour mon Dieu. Guido Edouard, bonsoir. Bonsoir Alistair et bonsoir Gilo. Bon,
Tout le monde a là, guerrier, après plus qu'on se l'a dit, qui intervient et qui parle des efforts que l'a fait. Donc, nous avons obligé de prendre un temps de nous. Oui. Nous avons discuté pour que ça fait le pas cartel, mais tout faut temps. Il faut que nous osions proposer. Oui. Oser parler avec la personne là. Oui. Oui. Alors, moi, je connais dans toute situation de crise, je dis pas, lui-même, je ne demande des gens pour pas faire mouvement par eux, mais il est toujours là, malgré toute situation difficile, je n'est pas toujours là pour faire en sorte que les gens soient capables de l'eau pour eux et fonctionner, parce que de l'eau a son, nous besoin chaque jour, dans n'importe activité, nous besoin de l'eau. Au quoi je dis, c'est important pour qu'on couloir humanitaire, Guido Edouard. Exactement. Depuis bien avant, et 1er mars, et crise d'accès à la disponibilité de l'eau. Radio Omega. Du côté de la PIA, plus particulièrement dans la région métropolitaine. Et bien, elle était capable de plus grave si que l'eau n'a pas été en pile station solaire qui assurait le pompage de l'eau et au côté par les réseaux gravitaires. Ça veut dire que. Vous gâtez la parole. C'est l'eau à ce moment, et puis calonnel descend, et puis il est capable de briser votre. Mais pour les métropolitaines là-bas, elle a plus préoccupant dans la mesure où la majorité côté nouvelle loyaux n'a pas l'eau de 24 forages. Mais les forages là, en bon créole, c'est 24 puits, mais c'est particulièrement malheureux, c'est gros gros puits qui a produit des milliers de gallons de l'eau, pratiquement par minute. Vous pouvez imaginer ça, ça signifie. Eh bien, il y a difficile d'accès, il y a un peu de sabotage qui fait dans le monde. Vous avez la parole. De terrier, de tabac, de Kwane Mouquet, de Clercil, et ce qui fait que zone d'Anko, Michel Réservoir, que le président Jovenel a inauguré 19. Et janvier 2021, pas capable d'alimenter, un peu sabotage sur le réseau, réservoir siloa qui ont capacité de plus que 3000 mètres cubes d'eau, donc plus que 700 000 gallons, et des difficultés pour alimenter, et à tout le côté, dans la région métropolitaine, là, surtout Delma, et Delma, même Carrefour. On connaît que depuis 29 février, les gamins étaient occupés, gros sous castor qui déjà le bourrade, banque interaméricaine de développement pour aider, fait que nous prenons de l'eau à faire vivre dans la zone Lamantin, Christophe Chanel et toute zone Zayo. Donc, nous avons une difficulté dans l'espoir et. Ok, difficulté, mais quand même, et bon côté pas nous, on a fait effort. Oui, mais le couloir humanitaire est important et nous avons créé un comité de crise. Okay. Si tout le monde d'accord pour nous, pour technicien du Népal, opérateur du Népal, aller dans toute zone ça, mais il faut que des cas sont à public parce que sous les gens, c'est eux-mêmes qui viennent pour contrôler les gens. Et bien, il faut le dire en public, même si moi, il y a des gens qui font peut-être votre parole ou pas, mais il faut que je dise oui. Radio Omega. Ils sont d'accord pour nous créer une loi universelle. Pour nous prêter la parole. Une loi universelle, parce que soit défendre les gens. Et bien, l'eau, c'est la vie. Et bien, il faut avoir une possibilité pour dire pas faire service là. Bah, service là. L'aide nous fait service dans l'infrastructure, gros groupe électrogène, il réparé. Parce que après plusieurs mois, rat de droit envahi gros groupe électrogène. Je parle des groupes électrogènes qui ont des capacités variées entre 250 jusqu'à 800 kW. Vous pouvez imaginer ça, ça signifie. Et là où il a dépensé comme là, et puis lui, qui a content et bagaille abandonné, ça veut dire. Et ça fait que
il y a nécessité pour nous, pour tout le monde mettre d'accord. Parce que si on fait choix à parler du pays, eh bien, il faut mettre d'accord pour que nous ayons un minimum de bien-être. Et vraiment, et c'est triste, là, ouais, tout le monde a parlé de Haïti, et puis l'année après l'eau, la fin de ça va passer dans le pays là, et puis on n'a pas d'explication. Et vraiment, le côté de l'Ulissou. Vraiment, le côté président, et puis on n'a pas dire est-ce que c'est le président, est-ce que c'est le ministre, est-ce que c'est l'autre bagaille. Côté terrier, pour qui ça fait l'autre bon. On n'a pas compris. Moi-même, l'école, les mandés, depuis ce journal jusqu'à date, et peut-être c'est le dernier moment, ça a demandé deux fois et cinq jours vacances. Les mois de cinq jours vacances, c'est même trois jours. Pour ma lasca au basse-là, récemment, m'obliger d'aller en avion pour ma Saint-Domingue, de Saint-Domingue, pour ma machine, pour ma lasca au basse. Les mois de l'organisation bloquée, l'usine, pas l'autorisation pour le ministre. Généraux, parce que aucun monde dans le gouvernement pas même convoqué nous-mêmes autour de la cellule de crise. Mais nous-mêmes, nous avons obligation de résultat, donc nous constituons cellule de crise. Depuis le temps des autorisations ou bien publications, informations qui disent oui, ils sont d'accord pour dire pas à l'ouvrir l'infrastructure ça pour faire que doit arriver, eh bien, dans les prochaines minutes après, Mais merci un peu, Guito Edouard, pour l'intervention. Merci un peu. Vous gardez la parole. Merci, voilà, Guito Edouard, on a parlé avec lui. On a parlé avec Hugues Célestin, non, IPAM, qui c'est Initiative Patriote Marien, qui c'est en tout cas qui peut supporter Fritz Jean, et comme pour ta vie, président et pays et d'Haïti, nous rappelons à Montana. On a parlé avec X Célestin pour nous garder opinion li, position li sous crise nous la dan journée jodi. X Célestin, bonsoir, merci parce que vous êtes disponible pour nous dans l'émission Boukanti et la parole. N'a pas content pas la voir soir. Bonsoir, auditeur Radio Megayo, bonsoir Ismaël. Vous avez la parole. Spécial à tout le monde qui a souffert. Très bien, Midal. Que gang criminel, choix gouvernement, choix criminel gouvernement, dragué dans une situation mal. Or, si geste l'amour, si geste remède pour tout Palestinien que l'armée Israël la salle, sous protection gouvernement américain, a tué autant que c'est vrai. Dans la bande de Gaza. Même les nappes souffrent pas bon ici, mais pour mettre rassuré, non solidaire avec. Oui, nous demandons pour nous tendre un petit peu bas et tout simplement, député X Célestin, nous voulons demander où, comment, ou même Jodia, dans notre initiative patriote marien, comme Moutou, qui peut tout si pour à Fritz Jean, à Montana, comment on a vivre la réalité ça, là-dedans, journée Jodia, côté 12 jours, pays absent, premier ministre, pas dans le pays, ou bien pays avec un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement, puisque le gouvernement qui est gagné dans le pays, son gouvernement qui a encouragé la criminalité, son gouvernement qui a encouragé la criminalité. Donc nous-mêmes dans le pays, à 12 jours, absence à rien. Au contraire, c'est d'avoir, on souffre que nous avons allé, puisque Ariel Patjam a fait une gestion de PIA qui allait dans l'intérêt fondamental de la population haïtienne. Tout ça, ni Ariel, ni Ariel, dans le dernier papier communication publique de l'initiative Patriote Marien fait ce lien, ni clair, Ariel,
nous voulons citer alliés internationaux qui réunissent dans un syndicat diplomatique malfaiteur à qui nous groupe. Nous avons cité des SDP modifiés, fusion, unité, uniforme, et mouvement transparence et tout unis pour nous citer ça. Ça seulement, c'est de vous qui créez et des actions qui aident Ariel à transformer le pays en l'enfer. Donc là, comment nous réparer là et quand ils continuent à faire la loi, et politiciens sans recul là, à souffrance là, allez nous faire alliance avec eux. Radio Omega. En dehors, on y a eu pris un paquet à l'intégration. Vous gardez la parole. Continuer à détruire les pays ici. Donc, c'est une situation vraiment difficile que nous vivons. Et environnement réalisé, et femmes à violer, nous sortir de chiffres, c'est de valeur réellement alarmant. Pour qu'il y ait plus de 500 000 personnes qui déplacent dans le quartier périphérique, zone métropolitaine, selon les chiffres, et puis les passés inter-ONG, pour qu'il y ait plus de 8 000 fillettes, plus de 25 000 femmes à garçons que gang violés, 20 000 cas kidnappés. Son bagage totalement délinquant qu'on va vivre dans le pays d'Haïti. Mettez sous ça, on va assister à un phénomène totalement inacceptable. Non seulement quand il a brûlé le monde pour vivre, mais en même temps tout, il y a une photo côté abrissant, certains monde qui ont tué ou bien ont a mangé vivant mon bagage. Son situation inacceptable que nous vivons là. Donc, qui ça, faculté agronomie, côté jeune garçon, jeune femme, a pris conscience pour une société qui a changé, qui ça, faculté agronomie, que nous gang pour donc déchouquer faculté agronomie, qui ça, l'hôpital Saint-François de Sales. Mais il arrive que ce sont ces mêmes gangs qui aujourd'hui n'ont capable de dire n'ont sorte de tourner de dernière chance, ils ont attaqué à des lieux sur tant qu'au aéroport national tout simplement là, ils ont attaqué à un ensemble de commissariats d'un pays, à une dizaine, ils font maximum de dégâts. C'est la dernière action, ça veut dire là, qui mettait Ariel Henry à terre. Comment appréhender ça, monsieur Célestin? Il y a un gros problème dans le pays. C'est parce que vous avez la parole. Ariel Henry a dit qu'on est d'accord que gang doit avoir une autorité dans la décision qu'on prend dans le pays. C'est même gang qui t'a kidnappé, qui t'a violé, qui t'a fuyé. Oui. Radio Omega. Le sujet de travail, c'est pour Ariel Henry. Il y a une question posée là. Même chef gang a demandé excuse. Pas besoin qu'on ait mis de sincérité, excuse base. Mais mal l'a déjà fait. Et le fait que mal l'a déjà fait, le fait que même mal l'a déjà fait, nous pas capable de nous dans tout gang. C'est même gang qui fait Ariel Henry à côté. Ariel, c'est des grands tampons. Radio Omega. Avec Ariel, on va assister au pouvoir, troisième version THTK. Avec Michel Martelly, bandit légal, il prend pouvoir et coûtait commencer des actes blanches qui ont opéré dans le pays d'Ali. Avec président Jovenel Moïse, qui a eu une accélération. Selon même pouvoir qui pourrait bénéficier, monde qui pourrait venir prendre pouvoir, voilà, groupe sociaux, groupe politique qui pourrait prendre pouvoir, de fait qui pourrait bénéficier de action gang ça, c'est selon même qui attitude, comportement capable de gagner vis-à-vis de gang ça qui fait une percée. Et cette percée lui aboutit à la chute d'Ariel Henry. Et moun sa reprend pouvoir, moun kap vini reprend pouvoir. C'est qui va l'attitude moun sa vis-à-vis de même gang sa, c'est grâce à percée qui frappe de Ariel Henry à terre.
m'en vit en dessous ça et pays a t'en met en dessous ça tout. Ah, on pose un problème qui est vraiment intéressant. Vraiment, je vous pour qui ça la loi existe. On parle de faire ces gangs. Et la loi, pour qui ça la loi existe. Là, Mabjo, on va donc très sincère pour nous-mêmes au niveau de l'initiative Patriote Mali. Si on nous prend le pouvoir, vous connaissez que, on connaît, on prend l'amnistie. Pile Mounza qui finit faire exaction dans le pays. Il faut que nous gagnions respect pour les familles qui sont victimes. C'est comme si vous avez dit, si là, à nous considérer, à nous très pratique, dans ça qui était supporté par Ariel Henry, si on opérait une révolution du palais pour retirer Ariel Henry, mais que on tout prend pouvoir, comme il y a des politiciens qui voulaient, comme il y a des politiciens qui sont associés avec nous, eh bien, ils ont mis tout prend pouvoir, et nous-mêmes, peuple haïtien, nous-mêmes, organisations. Radio Omega. Ça connaît. Vous gardez la parole. Que peuvent faire diriger. Si on nous connaît que on prend le vin pour pouvoir là, et pouvoir, on prend le vin pour ces pouvoirs, et pour conduire à impunité dans le pays, donc pour qu'on apprend pouvoir. Là, côté nous, là, nous n'avons pas le droit de faire économie ça, pour nous pas le droit de faire économie ça, pour nous être tout le temps dans la solution cosmétique dans le pays. Et comment, pour... maintenant, comment, selon vous-même, et Célestin, comment réussir l'après Ariel Henry? Parce que moi-même, je me suis dit dans l'émission pour prendre la parole, et ces deux dernières décennies, et même plus, ou quand même aller pendant toute la dictature, histoire pays a son sorte de perpétuel recommencement. C'est-à-dire que à un moment donné, c'était le problème principal qu'il fallait abattre, c'était Duvalier. Après, c'est les Poutis. Après, c'est Aristide. Après, c'est Préval. Après, c'est Martelly. Après, c'est Privé. Après, c'est Jovenel Moïse, 4 ans et demi, il fallait l'abattre. Maintenant, en 33 mois, il fallait également abattre Ariel Henry, parce que l'État mal gouverné, j'ai un mabdil dans Mikosa depuis septembre 2022. Député, comment sortir de ce cercle infernal à chaque fois de façon régulière? Il y a des acteurs qui montent scène et puis qui viennent qui échouent, qui vraiment pas réglé rien, sinon peut-être yo et leurs alliés politiques hystériques avares. M'invite à d'autres sous aspect ça. Bonjour, mon frère. Autant de fois qu'il a posé problème là, sous base en logique binaire, on ne va pas aller aucun côté. Autant de fois qu'il a posé problème là, sous base en individualisme, comme quoi, soit un pibon et tel pibon, nous ne va pas poser problème là. Nous, en tant un modèle de gouvernance, et modèle de gouvernance, ça, c'est lui qui génère. Le modèle de gouvernance ça, qui générateur tout problème que nous avons confronté là. Tant que nous pas divorcés de gouvernance, ça, nous ne pouvons pas dire qu'on a parlé. Pour qui ça? L'air est sous permettre de faire une recapitulation sous le pouvoir intérieur. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un Jean-Claude Duvalier, dictature duvalière globale. Mais immédiatement après 1986, on fait un recyclage de un bon élément du Valérie sans que par une reddition de compte. Et c'est yo, particulièrement, militaire yo, qui est au service fondamental de cause Tonton Makoudio, de l'étien du Valérie. Vous prenez la parole. Pas de aucune cassure dans le régime. Radio Omega. Et en continuité de du Valérie là. Maintenant, tout régime qui est à pouvoir parler, c'est un ensemble de régime et sauvage qui comme si on a changé la population. Radio Omega. Des comptes du Valérie, du terrorisme. Puisque nous-mêmes, c'est du Valérie que nous avons. Maintenant, ensemble de régime là, pas gagné un sorte de tempo qui fait dans le pays d'Haïti pour nous prendre un recul pour nous dire qu'il y a un pays d'Haïti mais qui contraint si un pays pour avancer et nous dit ça n'a fait parce que tout simplement nous n'avons pas inclus bouche
force et des coups pour qui potable en dans pays pour aider résoudre problème pays. Nous pas jamais faire intégration jeune femme, jeune garçon dans le pays. Pour qu'on a diplômé dans l'INAGE ou que d'autres écoles de commerce ont toujours tenté pour appeler privilégié à un bon monde qui était déjà là et qui était Radio Omega. Terre d'agriculture, tout un espace agricole. Vous prenez la parole. C'est comme si on dit période féodale dans le pays d'Haïti. Son paquet est propriétaire. Propriétaires entre guillemets absentéistes, ils qui contrôlent les gros espaces agricoles et puis nous refusons de faire des formations. Donc, il y a une thématique en Dampouya. Il faut que l'économie soit économie côté un pile monde qui a accès à ce système économique là. Il faut que paysans, agriculteurs, nous qui intervenons dans la question agriculture, nous avons accès à la terre, nous ne pouvons jamais faire ça. Accès à la connaissance, regardez comment l'université d'Haïti sont universités qui ne va jamais dépasser ça, son bon petit faculté gagné à droite à gauche. Nous avons mobilisé, nous avons appuyé un équipement qui parlait au développement national fait. Le développement national là, lui passe nécessairement par la connaissance. Si nous pas développer capacité nous pour des bonnes écoles, pas de aucun monde qui pourrait se faire parler là, puis passer dans le système là. Depuis qu'on a déboudé, depuis qu'on a investi l'État, puis c'est dans le pays étranger aller, et on fait qu'il nous dans le pays étranger, donc pas de soins de santé dans le pays. Donc là, on a posé problème. Il faut que nous posions problème de manière globale, de manière totale. Parce que si nous ne posons pas problème de manière globale, changement sont des qui ont réticence vis-à-vis de lui. Cage de changement qui était ouvert en 1986, là, il fermé immédiatement après tomber dictature parce que l'élément qui te vint prendre pouvoir, il y a un réfractaire. Immédiatement, on a eu un gain. Remarquez bien, ça a gagné presque 15 ans, les installés au grand pouvoir, on dit là pour 50 ans. Pas loin de nous, premier ministre, un docteur que Jovenel Moïse a gagné, qui comme premier ministre, monsieur fait déclaration, nous là. Ils n'ont pas même pensé à la notion de la collectivité. Comme si pour faire des bagailles, pour que postérité a des regards vis-à-vis de eux. Monsieur dit, on prend pouvoir pour ça. Ariel là, tout tourisme dans la ligne, il n'a aucune légitimité. Lui fait un accord en décembre 2022. Lui prend ses élections, la promette pouvoir en 2024. Là, il arrive en 2024, il refuse de remettre pouvoir. Il mettait gang avec la police dans le monde. Pour que l'État remette pouvoir. Donc, où est qu'il y a une gestion de dirigeants élites qui empêchent le pays à avancer? Il faut que nous prenions une nouvelle direction, et c'est seulement si nous prenons une nouvelle direction ça, que nous n'avons qu'à poser problème de manière ordonnée, disciplinée, jusqu'à ce que nous joignions réponse et résultat à problème qui t'a posé là. Mais nous-mêmes au niveau de l'État, nous clairs sur ça. Gang paladin, gang qui fait Haïti souffrir trop, politiciens racketteurs, t'as qu'à ne pas qui doit faire là. Comment réussir, couche progressiste. Alors, qui ça, Excélestin, dirigeant IPAMRELE, politicien, racketté? Alors, nous clairs sur ça, si vous regardez les derniers papiers, très certainement Radio A, ou bien ou même comme journaliste, ou bien il y a parlé de révolution, mais tout le monde connaît comment la révolution fait. Et nous-mêmes, au niveau de l'IPAM, nous traitons Mondaro de révolutionnaire crise locale. Et localement crise locale, il y a des journées.
Yves Jounet qui a parlé et comme si c'est comme si politique c'est de manière perdue. Sans quoi ou même sans répondre député à monde monde qui croit que là où campé non posture opportuniste et parce que on ne vous a pas entendu gang yo fin fait percer un yo frappé Doyle Henry à terre et que a monté terrain pour essayer positionner politiquement. Sans répondre monde ça qui croit que je dis à l'attitude de l'ancien député Célestin est une attitude opportuniste. Réponse. Qui t'aime finir répondre question Ismaël là tout. Madame, mon nom c'est Jean-Pierre. Merci beaucoup. Elle m'a dit que situation pour poser là. Hein? Ton situation qui clarifiait déjà, clarifiait au niveau de papier ça que nous, au niveau de papier ça que nous fait sortir là, ça nous relève. Ça nous les politiciens racketeurs, les politiciens, je dis, il n'y a pas de révolution. Et puis, des doubles à gagner pour la révolution, puisque vous prenez la parole. Ça crée une révolution. Ou bien de monde, toute journée, qui a parlé de socialisme. Et puis, je dis, ouais, ça, c'est un bon socialiste de rachot. On clarifie ça au niveau de notre là. Et puis, ouais, je dis, hein, et c'est à Gosset. Que vous montez choual les lois pour pouvoir sceller, c'est à Gosset que vous pral fait de effet et conçu pouvoir. Maintenant, pour les amis qui se posent. Gino Jean-Baptiste. Pardon? Les Gino Jean-Baptiste. Très bien, merci. Pour les amis, je vais dire que franchement, lui a fait une interview, puis par contre, qui laisse le pral interviewer. Parce que en vérité, tout le monde qui a couteau là, il y a besoin de connaître une céleste. Que vous m'avez demandé Ismaël. Ça va gagner 8 jours. Pour me plus précis, d'abord exactement date, dans mois, 2 mois après 7 février, vous gardez la parole. Côté ma palacola, qui parle sous 3e communication publique. Je m'en rappelle tout. 7 janvier à 7 février, IPAM fait sortir un texte chaque jour. Qui c'était en sorte de compte à rebours. Chaque jour, nous dit Ariel, ah, attention, vous avez dit, on va remettre pouvoir à 7 février, on va bientôt faire élection, ainsi de suite. Et texte au public. Et vos forces que nous gagnons, nous dit exactement pas nos points là-dedans, nous pas nos matins. Nous allons vérifier ça, et journaliste. Mais, député, vous avez manqué des gâteaux. Deuxième bagage. Député. Député, avant, vous avez manqué des gâteaux. Tu rappelles, il dit, nous ne parlons pas là.